BPI France a été créé en 2013. Il y a une loi de constitution concernant BPI France qui est à la fois la réunification d'une banque et de composantes de capital investissement. À l'origine, effectivement, ce qui avait été prévu, c'est de rassembler tout le monde sous le même toit pour apporter une solution globale aux entrepreneurs, aux entreprises de croissance qui souhaitent se développer, donc à la fois en financement d'innovation et en investissement donc dans le capital des entreprises. Donc l'idée était d'apporter une solution globale aux entrepreneurs, que ce soit des TPE, PME et des ETI, et des plus grandes entreprises, mais surtout TPE, PME et ETI. Notre offre aujourd'hui d'accompagnement de nos entreprises, puisque c'est un vrai programme d'accompagnement, est destinée à des entreprises qui veulent s'engager ou qui se sont déjà engagées, mais assez modestement, sur les pistes de la RSE. Le sujet, c'est d'essayer de structurer peut-être de nouveaux programmes pour des entreprises qui sont plus matures, plus en avance de phase sur ces thématiques, pour avoir et toucher différentes populations. Donc ça, c'est un axe extrêmement concret, mais pour ne rien vous cacher, on y travaille déjà un peu. Nous sommes souscripteurs dans un grand nombre de fonds, près de 300 fonds sur la place, et ces fonds d'investissement investissent à leur tour dans les entreprises. Nous étions posé la question de dire comment pouvons-nous aider ces entreprises à se développer sur la dimension sociétale, sur la dimension environnementale. Et nous avons pris attache avec Greenflex à l'époque pour créer un programme spécifique avec des sessions, avec 6 à 9 entreprises, pour les former, les aider finalement à grandir, à attraper de la maturité sur ces sujets, mais vraiment avoir un sentiment d'utilité et rendre service. On est arrivé à une petite soixantaine d'entreprises qui ont été formées. Donc qu'est-ce que l'on fait concrètement avec Greenflex? C'est de regarder ce qu'elles ont fait, de faire un diagnostic, de les faire grandir sur leurs actions, de leur donner de nouvelles pistes, de donner de la cohérence à l'ensemble et de leur donner un plan de com et un plan RSE finalement pour valoriser toutes les actions qu'elles font. Que ce soit des PME, voire des ETI et surtout des TPE, c'est pas facile pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas les ressources. Et ça, c'est vraiment une aide très opérationnelle et efficace. Donc, elles ressortent extrêmement contentes. Professionnalisme, réactivité, structuration des programmes, interaction avec les entreprises, ça, c'est important. On a une population, comme vous l'avez compris, qu'on veut vraiment aider. Donc, ce sont des gens avec qui il faut avoir des rapports très concrets, de terrain, et il faut avoir le même langage. Greenflex est vraiment sur la bonne longueur d'onde. Et donc pour nous, c'est un élément extrêmement fort.